Les mecs sont super passifs. C'est la nana qui va dire « je veux un enfant » et le mec qui va dire « bon, ok » ou qui va dire « bon, non, pas tout de suite ». Ils se posent pas vraiment la question « eux, c'est un problème ». Salut, je m'appelle Anthony, j'ai 37 ans et on va parler des hommes et de leur rapport à leur... Plus sérieusement, on va parler plan sexuel et vasectomie. C'est le livre de Anne-Laure, On the Verge, et c'est un livre qui reprend des interviews qu'elle a fait. Elle a un podcast qui existe depuis maintenant 3-4 ans et auquel j'ai participé il y a 3 ans. Le saviez-vous? Environ 200 millions d'hommes dans le monde souffrent de dysfonction érectile. Ça, c'est les pannes. En France, près de 1 homme sur 3 de plus de 40 ans pourrait être concerné par ces troubles. Contrairement aux idées reçues, 20 à 25% des jeunes de moins de 40 ans en souffrent, mais seulement 25% de ces hommes consultent. 20 à 25% des jeunes de moins de 40 ans, ça leur arrive, et pourtant, on n'entend jamais parler entre mecs. Ma première panne sexuelle, c'est arrivé la première fois où j'ai tenté d'avoir un rapport sexuel. J'avais cette idée de performance, voilà, tout ce qu'on qualifie de masculinité. Bon, on sait bien que le stress chez les mecs, c'est plutôt une contre-performance. Et à chaque fois que j'ai tenté d'avoir des nouveaux rapports, j'avais toujours ce truc-là en tête, me disant « j'ai pas réussi la première fois, comment ça va se passer cette fois-là » On n'y arrive pas, donc on se pose des questions, on stresse, donc on n'y arrive pas, et ça continue comme ça. Je me sentais clairement seul, parce qu'entre mecs, on n'en discute pas en fait. Mais c'est assez rigolo de voir que si on interroge les mecs, ça n'arrive à personne. Mais par contre, quand on parle aux nanas, toutes les nanas disent « bah oui, effectivement, voilà, c'est déjà arrivé à un mec que je fréquentais, quoi ». Je pense qu'il faut en parler justement pour dire « bah c'est pas grave en fait ». Et pas se dire « ça arrive qu'à moi et j'ai sûrement un problème ». Pour éviter cet engrenage de stress. Après, il y a des maladies qui font que, donc faut faire attention quand même aussi. Mais la plupart du temps, en fait, c'est juste bénin et c'est juste un truc passager. Pendant la vingtaine, j'avais tendance à être dans des relations monogames et stables, assez longues, où j'étais pas forcément très très épanoui, en fait. Le sexe, c'était pas, un sujet voilà, qui me passionnait vraiment. Pourquoi être que dans du monogame? Pourquoi vouloir forcément des relations longues, en fait? Je peux avoir des relations courtes, je peux avoir des relations polies. Et ça m'a ouvert vraiment tout un panel. Et dans lequel je m'épanouis vachement, en fait. Vachement plus que la relation hétéro-monogame. Le moment où ça a switché, c'est le moment où je me suis dit que je voulais pas d'enfants. Dans l'absolu, j'aurais aimé des enfants. Clairement, c'est pas le climat politique, le climat tout court. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui parlent, qui disent qu'ils veulent pas d'enfants parce qu'ils se posent pas la question, en fait. Les mecs sont super passifs. C'est la nana qui va dire « je veux un enfant » et le mec qui va dire « bon, ok » ou qui va dire « bon, non, pas tout de suite ». Ils se posent pas vraiment la question « eux, c'est un problème ». J'ai décidé de faire une vasectomie, sachant que je voulais pas d'enfant. Donc c'est une opération qui est assez rapide. Et le but, c'est de couper les canaux déférents. Donc les canaux déférents sont les canaux qui vont des testicules jusqu'à l'urètre. Donc c'est par là que passent les spermatozoïdes. Et donc le but, on continue à fabriquer des spermatozoïdes et tout, sauf qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. J'ai des mecs qui m'ont dit, mais ça marche toujours clin d'œil. Et donc oui, tu éjacules toujours quand tu as fait une vasectomie, c'est juste que tu es stérile. Je peux gérer la contraception en fait. À partir de maintenant, je suis stérile, et si jamais j'ai une relation longue, bah, la contraception en fait, elle est sur moi, quoi. Si j'avais des conseils à donner, en fait, c'est de ne pas se prendre la tête. Le but du sexe, c'est de se marrer avec un ou plusieurs partenaires. Les soucis de performance, tout ça, enfin voilà, on sait que c'est des conneries. Faut éviter ce schéma des films porno, en fait. Les films porno, ça reste des films, c'est pas la réalité. Et dans la réalité, voilà, on peut très bien se faire beaucoup de plaisir, même sans érection, même sans pénétration. Pour les mecs, voilà, éviter de se prendre la tête. Et pour les nanas aussi, ne pas penser que c'est parce que je lui plais pas ou quoi. Souvent, c'est le contraire. Moi, je me considère comme un allié féministe. Ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, je pense que j'étais un sale con avant et que j'étais beaucoup dans le cliché du mec. Et j'ai appris à m'en défaire. Donc, je suis pas parfait, mais au fur et à mesure des années, j'apprends. Mes parents ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à accepter. Et encore maintenant, ils ont encore du mal à accepter. Ma mère accepte qu'on en parle, mon père ne veut pas entendre parler, en fait. Il y a une petite anecdote, ma mère qui m'avait fait beaucoup rire, qui une fois m'avait dit « tu pourrais quand même faire un enfant pour nous faire plaisir, quoi ». Le pire truc à faire, c'est faire un enfant pour faire plaisir, d'autant plus à ses parents, quoi, et pas à sa partenaire.